Hello and welcome to CUTV News, a weekly bilingual news program produced by and for members of Montreal's community. On today's report, we'll feature stories on solidarity with political prisoners in Canada, neighborhood popular assemblies in Montreal, the summer strategy for student associations, plus an interview with an American presidential candidate who supports the Quebec student strike. But first up, our headlines. On June 27th, seven people at a casserole march in Vancouver in solidarity with Quebec students on strike were arrested, some quite violently. At least one protester had to be hospitalized due to their injuries. Two people were arrested in the casserole march itself, which sources told CUTV had 50 to 60 people. Others were arrested outside a Vancouver police station where a solidarity rally with Aristides was taking place. Here is Sasha Wiley-Shaw, who is president of the Vancouver Elementary School Teachers Association sublocal, and one of those arrested. Five male Vancouver Police Department officers, that's what it takes to arrest a 140-pound school teacher here in Vancouver, apparently. And they had me on the ground for a good couple of minutes, and like one of them was sitting so that I couldn't put my arm behind my back, but using his leg as kind of a lever so he could yank my arm against it until he moved to actually put my arms in cuffs. And I've got some swollen knees and concrete burns and things like that. That's your arm here? Yeah, my wrist is really sore and swollen. Matthew, our Occupy medic, wrapped it up for me and has been taking care of me. I've got some little bit of concrete burn on my shoulder. That knee's swelling up pretty good today. That's where they caught my foot in the door there. Wednesday nights have seen regular pots and pans protests in many cities across Canada, leading many to dub this night of the week Casserole Night in Canada. In Montreal, a small park in the McGill ghetto area is still under threat of demolition, and residents are worried that condominiums could go up in its place. Parc Oxygène was created by residents of the Milton Park Housing Co-op in 1989 and consists of a lush green space and an alley between Park Avenue and Hutchison, just north of Prince Arthur. According to an article in Le Plateau newspaper, neighborhood residents recently saw surveyors in the park. Then, at a borough council meeting on June 4th, residents learned that the land's owner wants a meeting with the council to discuss construction plans on the park. The owner has put in rezoning requests in 2008 and 2010 to be able to build condos, while the City of Montreal has refused citizen requests to buy the land and make it an official park. While the park's supporters have been rallying for years to save Parc Oxygène, it remains to be seen what will happen to this small park in an area of town being increasingly covered by condos. A family of failed refugee claimants from India, who've been living in Montreal for 6 years, was broken up by Immigration Canada on July 1st. The father of the family, Amrit Pal Singh Arora, and his two youngest children were deported to Delhi on Canada Day. Meanwhile, the mother, Ravinder Arora, and her eldest daughter, Tarandeep, age 15, would have been deported as well, but they were not admitted on the Qatar Airlines flight because of the health conditions of the mother. Just prior to that, Ravinder was hospitalized due to epileptic seizures. Members of the Montreal Migrant Justice Group Solidarity Cross Borders came to the defense of the Arora family and will be following up with public support. Meanwhile, on Canada Day, over 100 protesters gathered in Parc Émilie-Gamelin to reclaim the day as the National Stop Harper Day. According to the Facebook page for the event, coordinated Stop Harper rallies were held in 12 cities across Canada. Here in Montreal, protesters denounced Harper and his conservative government for cuts to arts funding, growing military spending, and allegations of electoral fraud. And that does it for your headlines with CUTV News. Des manifestants de tout milieu se sont réunis le 27 juin au Parc Émilie-Gamelin pour souligner la journée annuelle des prisonniers et prisonnières politiques. Ils ont tenu des discours, puis marché jusqu'au palais de justice afin de dénoncer le traitement judiciaire des personnes arrêtées dans le cadre d'actions politiques. Un reportage de Catherine Poitras. C'est Catherine pour CUTV. On est à la manifestation d'appui aux prisonnières et prisonniers politiques et on va aller interviewer les gens présents. Cette année, la thématique, c'est sur justement toute la répression politique que les étudiants ont vécue. Donc, répression politique, profilage politique. Donc, on tenait à que ce soit notre thème aujourd'hui là-dessus.
personne qui se fait arrêter dans un cadre politique, que ce soit une manifestation ou une action, est un prisonnier politique. Mon copain vient de recevoir une peine de prison pour le G20, fait que j'ai décidé de venir puis d'organiser une action avant. Là, j'ai imprimé des T-shirts par rapport à son arrestation puis sa peine de prison. Puis ben, c'est sûr, c'est un événement qui m'a comme vraiment touchée. Là. On s'attendait pas à ce qu'il reçoive une peine de prison. Mm-hmm. Puis en fait, ça a été comme tout un rebondissement, mais avec ce qui s'est passé au Québec au printemps, là, le juge avait comme juste en tête de donner un exemple. C'est, ben moi, ça m'a fait peur pour la suite. C'est ceux qui se font arrêter actuellement pour les manifs, tout ça. Puis avec les lois sur les jeunes contrevenants, puis tout ça. Puis honnêtement, ça fait peur, tu sais, parce que, en fait, pour les gens qui connaissaient Charles, ils savent que dans les deux dernières années, c'est juste impliqué dans des trucs communautaires, puis il a juste fait des trucs comme vraiment pour aider les gens autour de lui. Puis, tu sais, de le mettre en prison, c'est comme l'empêcher d'aider les gens autour de lui alors qu'il aurait été comme plus utile de faire une peine à résidence. Dis-moi, pourquoi tu marches ici aujourd'hui, là? Bien, en fait, c'est pour contester la répression policière qu'il y a actuellement. Mm-hmm. Que ce soit aujourd'hui, quand ils ont sorti les jugements par rapport à des gens qui ont été arrêtés au G20, puis que ce soit aussi les gens qui ont été arrêtés pendant le début des manifestations étudiantes. Le moment qu'ils ont marché aujourd'hui, on n'était pas beaucoup, mais c'était bad, you know? Ça, c'était bad. C'est dans le cœur, you know? Anti-capitaliste! On connaît tout quelqu'un qui a été victime ou qui est justement détenu politiquement, que ce soit pendant le G20, pendant la grève étudiante. Pendant la grève étudiante, je pense qu'on est un bel exemple aussi. La gang s'est fait arrêter le matin avant une des manifs, je pense qu'il y a 11 personnes. Il y a les ceux qui sont accusés de terroristes dans le métro. À un moment donné, je pense que ça fait partie de ça. Je pense que c'est important d'en embarquer là-dedans. Autant la grève étudiante que les gens qui ont été pris au G20 ou tout autre activiste ou anarcho ou militant ou peu importe qui est mêlé dans une cause, justement, il y a du monde qui sont justement fouillés. J'ai été victime, justement, de pression policière. Il n'y en a pas de justice actuelle au Québec. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de droit de liberté. Donc, on voulait proposer d'aller faire une marche jusqu'au palais de justice pour dire justement nos revendications comme quoi qu'on considère qu'au Québec, présentement, la justice, c'est une farce. Est-ce que tu connais des gens qui sont fait arrêter ou qui ont reçu des peines pour avoir manifesté? Bien, jusqu'à maintenant, la plupart des gens qui ont été arrêtés pendant les manifestations étudiantes, leur cause n'est pas encore terminée. Parce que la stratégie, on le sait, c'est qu'ils essaient de reporter ça au plus tard possible parce que tous les gens qui se font arrêter ne peuvent pas participer aux manifestations. Donc, ils essaient de décourager les gens de participer aux manifestations, entre autres. Fait que la plupart des gens, c'est, je pense, fin juillet, ceux qui sont fait arrêter en début, que je connais, puis ça va être probablement reporté à plus tard encore parce que la crise étudiante n'est pas encore terminée puis ils veulent pas que les gens soient présents. Okay. Et ils sont incarcérés. Alors, le monde, ils ont tendance à les oublier. Tu comprends? Ils sont là, OK, ouais, lui a fait ça. Oh, c'était bien ce qu'il a fait le 3 juin, mais le 26, on va l'oublier déjà, tu sais, mais il ne faut pas l'oublier, non? Alors, la manifestation est de retour au Carré-Berry. La manifestation a suivi un parcours jusqu'au palais de justice en scandant de jolis slogans et bientôt, elle va se jumeler à la manifestation de soir. La classe entreprend des actions différentes pour s'adapter aux réalités de la saison estivale et pour tenter de se rapprocher de son objectif de grève sociale. Natacha Lafontaine s'est entretenue avec Jeanne Reynolds, co-porte-parole de la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, afin d'obtenir des précisions. Mon nom est Natacha Lafontaine, vous écoutez CUTV Montréal. Donc, je vais m'entretenir avec Jeanne Reynolds, qui est co-porte-parole de la classe, sur la stratégie de la classe pour l'été, donc leur plan d'action pour l'été. Donc, on a vu que vous aviez différents plans, plans d'action pour l'été, dont, entre autres, d'organiser une tournée régionale de conférences, pas régionale, mais nationale de conférences. Ma première question par rapport à ça, c'est pourquoi, pour qui, surtout, vous voulez aller parler aux gens dans les différentes régions du Québec?
Bien, c'est certain, premièrement, qu'il y a une volonté d'aller à l'extérieur de Montréal, d'aller rejoindre les gens à l'extérieur de la région. Dans la deuxième optique, on va aller parler aux gens directement, pas passer nécessairement par le biais des médias en général. Souvent, notre message peut être, dilué, notre message n'est pas tout le temps cohérent, précis. Alors, notre but, c'est vraiment d'aller voir les gens, de leur dire quelle est notre vision politique, quelles sont nos revendications, comment c'est possible d'arriver à une espèce d'utopie là, que les gens nous reprochent souvent, mais que c'est possible, cette chose-là, mais aussi de les entendre. Donc, on s'adresse évidemment à la population, les citoyens et citoyennes qu'on a vus sortir dans les rues dernièrement, mais au-delà de ça, aux gens qui sont simplement intéressés à avoir un autre projet de société que ce que propose le Parti libéral. Les conférences vont vraiment être calquées sur le manifeste que la classe va bientôt en fait dévoiler. Ça va comme ça être en cours d'écriture et de révision. Mais bon, ça va aborder évidemment la loi 78, pourquoi nous sommes en désaccord avec cette loi-là. Pour des services publics en santé, là, sans mesures d'austérité, sans tarification ni privatisation. Il va y avoir aussi une perspective féministe, aussi une écologie sociale, donc contre les gaz de schiste, contre le plan mort. Donc, c'est des choses qu'on va apporter dans le fond du manifeste, qu'on va apporter dans nos conférences, qu'on va discuter avec les gens. C'est quoi un peu les discussions? Où s'en est rendue cette question-là de la grève sociale pour possiblement l'automne? En fait, ce qu'on espère faire quand il y a une grève, c'est d'abord avant tout de mobiliser la base. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va faire des conférences en région. C'est pour parler aux travailleurs et travailleuses pour que l'ensemble des travailleurs et travailleuses s'organisent dans leur syndicat à l'échelle locale et que, ultimement, finalement, ces syndicats-là poussent sur leur centrale syndicale pour partir une grève. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que si justement le mouvement étudiant reprend de plus belle, les mobilisations, les manifestations reprennent en nous alors qu'une campagne électorale, que ça pourrait faire réélire le Parti libéral? Qu'est-ce que vous avez à répondre à cet argument-là? Évidemment, on verra l'impact que ça va avoir, mais faut pas non plus. Je crois que s'il y a une élection, il ne faudra pas nécessairement mettre l'emphase seulement sur le mouvement étudiant. Parce qu'il faut se rappeler que depuis plusieurs ans, c'est depuis que les libéraux sont au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a beaucoup de choses qui sont très, très inquiétantes, qui sont dommageables pour la société qu'il y a eu actuellement, que ce soit la taxe santé de 200 $ mais l'ensemble des ressources naturelles aussi qu'on a données, dilapidées. En tout cas, bref, les taxes aussi, la taxe sur le capital qui a été abolie, des baisses d'impôts aux entreprises. J'espère que ça va aussi ressortir, évidemment, dans les médias, qu'on ne parlera pas seulement des manifestations qui bloquent la circulation. C'est ça, on va bientôt sortir, faire une conférence de presse pour dire, évidemment, où on va, quand et quel sera le contenu le plus exhaustif. OK, bien, je vous remercie beaucoup, puis on invite les gens à participer en grand nombre à la manifestation du 22 juillet. La grogne des citoyennes ne s'est pas dissipée en même temps que le bruit des casseroles. Plusieurs assemblées autonomes de quartier se tiennent de façon hebdomadaire un peu partout à Montréal. J'ai moi-même assisté à deux assemblées autonomes, un à Rosemont-Petit-Patrie et l'autre dans le plateau. Voici le reportage que je vous ai préparé. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'habite le quartier Rosemont-Petite-Patrie. Puis l'idée de faire une assemblée populaire de quartier nous est venue entre voisins autour d'un verre à l'apéro. Puis on s'est dit, on parlait de l'Argentine, des mobilisations qui avaient eu lieu après la crise en 2000, au début 2000. Puis on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire des assemblées populaires considérant le contexte politique actuel? Pourquoi on n'essaierait pas de s'approprier notre quartier, de voir à apprendre à se connaître, se reconnaître les uns les autres, puis aussi créer quelque chose dans notre quartier. Donc, c'est l'idée de l'Assemblée populaire qui ensuite s'est concrétisée le 26 mai, où on a eu notre première Assemblée populaire qui a rassemblé plus de 150 personnes. Donc, on voyait justement que les gens du quartier avaient envie de créer ensemble. Il faut dire que justement, les manifestations de casseroles dans Rosemont-Petite-Patrie sont assez volumineuses. Quand on assistait aux manifestations, puis on participait aux manifestations, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens. On pouvait être 3000 quand Villery venait nous rejoindre aussi. Donc, c'est dans cet engouement-là qu'est née l'idée. Et c'est suite, effectivement, à la loi 78, où on a vu
que dans le quartier, les gens avaient une grogne contre la loi 78. Donc, évidemment, l'appel des APAC, c'était aussi un appel de contestation de la loi 78 en solidarité avec les luttes étudiantes aussi. Il ne faut jamais oublier d'où ça vient, toute cette mobilisation. Donc, toujours sur ces deux principes-là est née cette première assemblée populaire de quartier où ensuite, on s'est dit, on a envie aussi que les autres quartiers se réunissent. On a décidé d'abord de proposer à l'Assemblée une structure très décentralisée, un mode de fonctionnement en comité où les gens pourraient se réunir en affinité. Donc, les comités ont été créés par l'Assemblée. C'est les gens qui étaient présents au départ qui ont dit, ben nous, on a envie, on a une inquiétude par rapport à la répression policière, donc on va créer un comité répression policière. D'autres ont dit, nous, on a envie de faire la mobilisation, de réveiller le quartier encore plus, donc on va créer un comité de mobilisation. Comité contre la répression policière, c'est un comité plus fort? C'est un comité qui a été fondé sur la base de l'idée de... Moi, c'est Jean-Christophe, en fait. Ça, je m'implique dans le comité contre la répression de l'Assemblée populaire de Rosemont. Bien, moi, dans le fond, au début, j'ai commencé à m'impliquer dans cette grève-là, bien, dans le fond, comme étudiant, là, je suis aux études en ce moment. Puis là, bien, tu sais, dans le fond, si j'ai commencé à m'impliquer dans cette assemblée-là, bien, c'est quand j'ai vu l'appel au début. Je trouvais que c'était une super bonne initiative. Puis je pense que c'est important que le mouvement s'élargisse, qu'il sorte de la sphère un peu, tu sais, strictement étudiante, puis qu'il s'élargisse beaucoup. Puis je pense que les quartiers, je pense que notre quartier soit un bon lieu d'organisation. Je pense que, tu sais, dans le fond, s'il y a eu une grève étudiante qui a été aussi importante, c'est parce qu'il y a des politiques très larges là, qui sont mises de l'avant par le gouvernement. Mais, puis pas juste par ce gouvernement-ci, là, c'est vraiment une conjoncture mondiale. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays. Puis il y a des mesures d'austérité qui sont adoptées partout. Puis ça, dans le fond, c'est lié au fait qu'on vit une crise économique depuis quelques années. Là, puis tous les gouvernements, les gouvernements de plusieurs pays, la façon qu'ils ont, c'est d'y aller avec des mesures d'austérité, puis des mesures qui appauvrissent beaucoup la population. En fait, bien, je pense que le mouvement, au-delà des revendications étudiantes, c'est un mouvement qui doit lutter contre ça. On est aussi allé visiter l'Assemblée populaire dans le plateau, juste au sud de Rosemont. Moi, ce que j'espère, en fait, dans ce... pour la PAC du quartier, du plateau, c'est de rendre visible ce discours politique de dissidence. Parce que c'est un quartier qui, comme on le désigne aussi, c'est un quartier de transit, comme si les résidents, les résidentes devaient s'effacer derrière ces gens qui consomment sur le plateau. Et de rendre visible le fait que sur le plateau, il y a des gens qui sont... actifs, engagés, en colère, et de le rendre visible pour dire il y a d'autres choses qu'un lieu de consommation, bien sûr, sur le plateau. C'est vraiment l'idée que ce que veut être essentiellement une assemblée populaire et autonome, c'est un espace de pouvoir par et pour les gens, et qui est donc non pas une délégation ou une représentation, mais vraiment un type de politique de prise de pouvoir qui est tout à fait direct et autonome, qui est le reflet d'une démarche d'autonomie et de prise de pouvoir. Le candidat pour le Parti de l'égalité socialiste aux États-Unis, Jerry White, était de passage à Montréal pour faire campagne. Mathieu Pissonneau lui a rencontré. So I'm Matt P. I'm with CUTV, Concordia University Television, and I'm with Jerry White, who is the Socialist Equality Party candidate for the U.S. elections this year. U.S. President. The U.S. President elections. Correction. So what brings you to Montreal, Jerry? Well, we don't see the coming to Canada as a diversion from our campaign in the United States. We see it as the essence of our fight for the unity of workers and young people in the United States with workers around the world. The four-month-long struggle of the Quebec students is incredibly an important struggle, and it's indicative of the type of resistance that is growing in Canada and around the world, including Greece and Spain and the United States itself, to the policies of austerity, which are being demanded by governments everywhere on behalf of the big banks and the corporations. So we think that, in fact, all working class people have an enormous stake in this struggle, mm-hmm. that the isolation of the students has to be broken, mm-hmm.
That workers should oppose Bill 78 and the attempts to criminalize not only the students' protests, but any opposition to attacks on living standards and war, which are being carried out here in Canada. On est avec Éric Marquis et Laurent Desbiens. Et puis, qu'est-ce que t'as amené ici à le raconter aujourd'hui avec Jerry White? Ben, nous, on fait partie de l'Internationale étudiante pour l'égalité sociale, qui est l'organisation jeunesse du Parti de l'égalité socialiste, pour lequel lutte Jerry White. Mm-hmm. Puis essentiellement, ben, on est ici pour aider à développer un programme socialiste pour intervenir dans la grève étudiante, pour justement défendre un programme socialiste comme seule solution pour défendre l'éducation en tant que droit social. Oui, la même chose aussi. Je pense que l'assaut sur l'éducation, l'éducation publique, ça fait partie de tout un programme d'austérité qu'il faut contre lequel il faut lutter. Mais les étudiants, à ce point-ci, ont été isolés. Ça, on pourra en parler plus tard peut-être. Mais à ce point-ci, ont été isolés. Puis c'est seulement cette organisation-là qui parle d'une mobilisation indépendante des travailleurs vers lesquels les étudiants devraient se tourner, s'orienter. Puis c'est vraiment toute leur perspective, leur programme. De cette organisation-là qui, moi, m'interpelle. Je suis aussi un membre de l'IES. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, c'est un parti sérieux qui propose un programme politique vraiment basé sur les intérêts de la classe ouvrière. Puis, c'est ça pour qu'on est ici aussi, pour lutter pour cette perspective-là. So yeah, the World Socialist website has been doing a lot of coverage on the Quebec strike. What is it about that stands out that you find that, I guess, gives inspiration to other people to follow the Quebec student example? Mm-hmm. Well, actually, if you look at what's been going on for the last 2 years, and beginning in the upheavals in the of the Egyptian and the Tunisian masses, and then opposition to the incredible impoverishment of the workers in Greece and also in Spain. And last year, a huge protest in Wisconsin and protests against Wall Street. Mm-hmm. There is a growing sense of opposition and determination against the impossible conditions of life, especially for your generation. Mm-hmm. In the United States, 50% of young people coming out of college are either unemployed or underemployed. That's college grads who have an average of $25,000 in college loan debt. So increasingly, the capitalist system offers nothing to the next generation or the older generation. We see the urgent necessity of building a political leadership in the working class, in Canada, in America, around the world, because the only answer to austerity, to war, to social inequality is an offensive by the working class for socialism. Because it's a lie to claim anywhere in the world that there's no money to provide high quality, in fact, free higher education, or decent wages, or health care, or any other social right, under conditions in which trillions were used to bail out the banks, and trillions for the military machine in the United States and around the world. So as socialists, we fight for the working class to carry out a radical redistribution of wealth to meet social needs, not private profit. And that does it for this edition of CUTV News for July 6, 2012. Be sure to check back with us at cutvmontreal.ca. And if you'd like to get involved in news produced by and for the Montreal community, email us at news@cutvmontreal.ca. You can also follow us on Twitter @CUTVNews. My name is Aaron Lakoff. Thanks for watching.